Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Salut à tous, c'est Tintin, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de la collection de vaisseaux officiels de Star Trek, d'Eagle Moss, et on continue avec Deep Space Nine, avec une issue spéciale. Donc, je vous propose d'abord, grosse maquette, de regarder d'abord le magazine, ensuite, reste. Donc, Deep Space Nine, magnifique vue des deux anneaux, donc... station spatiale. Donc c'est la première fois que dans Star Trek on a une station spatiale comme objet principal, construite en 2351, diamètre 1451,82 mètres et nombre de ponts 98. On fait 98 fois 3 puisque c'est à peu près 3 mètres par pont, ça fait beaucoup. Voilà comment est-ce... Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de support, d'accord. C'est avec un design typiquement cardassien. Donc on a des vues ici de... Donc là, l'anneau d'habitation avec l'Ops. Ici, donc le centre d'accostage. Et là, le moteur, le générateur à particules, je crois. Je ne sais plus comment il l'appelle. Voilà. Donc localisation secteur système Bajoran, nom original Terok Nord, administration Fédération et Bajoran, diamètre bon on le sait, hauteur 960,26 mètres, elle est pratiquement sphérique, enfin pratiquement à 500 mètres près, Power Fusion Generator, générateur à fusion, d'accord, donc c'est pas particule. Donc des vaisseaux de support. Donc on a trois runabouts de classe Danube, dont on va voir la maquette, et l'USS Défiant. Et après l'USS Apollo, après destruction du Défiant. Ensuite, armement type 10 phaser et type 11. Rayon de défense planétaire, photon, je sais pas ce que c'est, et torpille quantique. Et enfin, commandant Benjamin Sisko et Kira Neris, qui prendra après la disparition de Sisko, qui n'est pas mort. Voilà, donc magnifique vue donc, de la station, avec le vortex Bajoran, vortex le temple céleste des prophètes, où vivent donc les prophètes qui sont des entités atemporelles, où le temps linéaire, tel qu'on le vit, tel qu'on le conçoit, n'est pas concevable pour eux. Et en fait, ils ont choisi Benjamin Sisko comme leur émissaire, et pas seulement pour une simple raison, c'est parce que c'est leur enfant indirectement, enfin, peu importe. Et après, il les a rejoints. Voilà. Donc, dans la localisation proche du trou de verre Bajoran, enfin du vortex Bajoran, Deep Space Nine, au cœur de la politique galactique. Une station où il y a beaucoup de commerce, il y a eu des conflits avec les Klingons, Dominion, Cardassien, Bajoran, Romulien et j'en passe. Donc l'USS Défiant amarré ici, mais en général il n'est jamais amarré ici. Il y a un amarrage spécial qui est placé au niveau d'un pylône. Donc ici vous voyez donc c'est un ça c'est au niveau du pylône, donc un lanceur de torpilles qui a été justement ajouté par la Fédération. Ici donc on a une vue donc ici de la promenade, c'est l'Empiote, ici du parti, et là donc c'est l'Ops. Avec ici la fenêtre du bureau de Sisko.
Alors là, c'est donc un lanceur de torpilles ici et un phaser. Non, non, c'est pas un phaser. Non, c'est pas un phaser, c'est ici. Bon, je sais plus. Mais ça c'est dans le. Voilà, c'est ici les petites arêtes. Là, ça se déploie et ça tire. Et ici, donc, on voit que c'est un centre commercial également. On voit Jadzia Dax au dos. Ça, c'est saison 1, d'après son uniforme qui laisse où il n'y a pas de colle. Et là, Quark, qui est un des commerçants qui vestige de l'occupation bajorane. Pouf, erreur, l'occupation cardassienne de Bajor. Donc, ah, visitons Deep Space Nine. Donc ici, donc c'est une partie de l'Ops avec Kira Nerys, Jadzia Dax, O'Brien et le docteur Julian Bashir. Donc ici c'est une vue de l'Ops qui mène, l'escalier qui mène jusqu'au bureau du capitaine. Donc le capitaine, attendez. Le commandeur Cisco, pardon. Il a d'abord été commandeur avant d'être capitaine. S'il vous plaît. Ah, parfait. Voilà, donc ici donc des sas, le sas d'amarrage. Là donc les turbo, le turbolift, qui en particulier des trous ouverts en fait. Il n'y a pas de seconde porte comme dans les turbolifts de Starfleet. Ici la promenade, l'endroit le plus fréquenté du vaisseau, plus fréquenté qui, le plus fréquenté, avec tous les commerces dont le bar de Quark, mais également comme ici, donc l'infirmerie, ici nous voyons Garak en train d'être soigné. Également le centre de sécurité, le poste de sécurité qu'occupe Odo. Odo qui est le chef de sécurité, qui a été sous l'occupation cardassienne, et ici, qui est un métamorphe. Ici donc nous voyons une, ça s'appelle une Double Girl, c'est Lita, qui après se mariera avec Rom, ici Quark. Voilà. Et ici, c'était sous l'occupation cardassienne. C'était moins joyeux. Les spécifications de Terok, ou de Space, comme vous voulez. Donc on voit ici donc un runabout sur une plateforme de lancement qui est sorti dans le sens à l'intérieur. Le défiant avec son sas d'amarrage spécial. Et ici, un vaisseau de classe galactique qui est amarré au pylône. Donc ici. Donc nous avons, commençons par ici. Donc plusieurs centres de d'accostage ici voilà. Donc ça c'est le l'arc de défense, le réacteur à fusion, le cône exhaustif, les conduits de transfert de puissance, les propulseurs ici qui sont utilisés pour déplacer la station. Sont pas très puissants mais bon, des palettes de sens de senseurs, donc ici aussi les senseurs. Là avant les Pajorans travaillaient en tant que en tant que mineurs, mais ce n'est plus le cas. L'Ops, la promenade ici, l'anneau d'habitation qui est légèrement surélevé, et l'anneau d'accostage ici, l'anneau le plus l'anneau externe, et voilà. Ensuite ici donc l'anneau d'accostage, donc ça c'est les plateformes de lancement de Runabout, la promenade, ah oui les déflecteurs qui sont ils sont à l'ordre de 3. Ici voilà, et enfin voilà c'est bon. Ah, construire Deep Space Nine. Voilà, l'un des projets finaux de la station. On voit des différences, là, on voit des. Là où les interstices qui sont plus. Ah, comment dire? Qui sont plus rétractés. C'est particulier. Là, on voit pas mal d'antennes, comme par exemple sur la station. Pardon, la station spatiale 1 de la Terre, et ici des pylônes d'armement plus épais. On voit différents designs, totalement asymétriques, très particuliers. Alors ici on a une version 3D,
qui ressent, je pense que ce plan ressemble beaucoup à la station Yorktown dans Sans Limite. On reconnaît différents styles qui ne sont pas cardassiens d'ailleurs. Des styles comme ça avec des cerfs qui se croisent. Je pense que c'est la partie de ça, un des prototypes qui a servi. Donc ça, des modèles rejetés. Voilà, des modèles rejetés, des stations complètement asymétriques. Voilà, donc d'autres prototypes, des stations très classiques, ou une station très originale. Et en voici un des prototypes. On voit que celui-là est très proche, mais il y a quand même quelques différences. Ici, donc, un dessin de la promenade. Donc, on voit qu'elle est tout à fait similaire à ce qu'elle a été. Ah, filmer la station. Là, on voit la maquette, mais avec un plan particulier. Fallait pas devant fond vert, en tout cas. Donc, on voit différentes sections de la maquette. Ah oui, et donc on apprend ici que le studio a été vendu en 2006 pour 132 000 dollars. À ce prix-là, je me serais acheté. Mais elle était très 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 grande. Et il le fallait bien pour filmer Iron About qui sortait d'ici. Par exemple, c'est qu'un exemple. Et oui. Ah oui. Ah, Cisco sans barbe. C'est vrai que je préfère. Première apparence, Deep Space Nine, c'est logique. Première apparence, donc émissaire. Aucune apparence dans le film. On a vu Quark. On a vu Quark et Bashir dans La Nouvelle Génération. Mais c'est tout. Apparence finale, What You Leave Behind. C'est le dernier épisode, je suppose. Et créé par Herman Zimmerman, le fameux Rick Sternbach, le fameux. Ricardo Delgado, je ne le connais pas. Donc des épisodes clés, l'émissaire, oui, le chemin du guerrier et What You Leave Behind. Alors aussi, ce qui est particulier avec la série, c'est que c'est avec la série originale et Discovery et Enterprise, c'est une des séries où on fait intervenir souvent l'Empire terrien. Mais plus souvent dans Deep Space Nine que dans aucune autre. On apprend que l'Empire terrien, c'est l'inverse. Les extraterrestres ont envahi l'Empire terrien, qui a abaissé sa garde. Et voilà. Et là, les humains cherchent à se rebeller. Donc ici, voilà. Et une vue de dessous. Et donc maintenant, je vous propose de passer à la maquette. Et donc nous voilà pour continuer avec Deep Space Nine. On va découvrir la maquette. Comment on ouvre? Un vrai casse-tête. Par là. Attention, attention, attention. Oh! Et voilà. Et voilà, la belle Deep Space Nine. Voilà, donc on voit la structure principale qui est. Alors, voyons voir, métal ou plastique? Alors, les anneaux. Tous les anneaux, toute la structure, c'est du métal. En revanche. Les pylônes, je suis pas sûr. Non, on dirait du plastique plutôt. Et pareil pour la fusion. Ah. Le générateur à fusion est un petit peu décalé. C'est pas très grave. Donc voilà, on va commencer par le commencement. Donc les sas d'amarrage. Avec les panneaux de senseurs. Les propulseurs ici. Focus.
Non, il veut pas. Ah, voilà, parfait. On voit que c'est extrêmement détaillé. Voilà. Et donc, voilà, donc tout le long, c'est pareil. Elle est assez symétrique de l'extérieur. Alors, on va s'intéresser. Et donc nous revoilà, désolé, excusez-moi. J'ai eu un petit problème de mémoire, mais maintenant j'ai une carte de 32 gigabits, ou gigaoctets, c'est pareil. Je pense que ça devrait aller. Donc nous étions en pylône. Donc comme vous voyez. Voilà. Donc on voit les senseurs qui sont rouges. Il y a beaucoup. Sur ce modèle, il y a beaucoup de détails structurels, avec des stries notamment. On en voit énormément. Beaucoup de détails, c'est vraiment impressionnant à quel point cette maquette est fidèle. C'est impressionnant. Parce qu'elle n'est pas si grande que ça, mais elle est très détaillée. Alors, à l'extérieur, je suis un peu. Voilà. Vous voyez ici, normalement, il devrait y avoir des. Attendez. Mais voilà, il devrait y avoir des fenêtres et il n'y en a pas. Ça, c'est un petit peu molle. Voilà, les interstices sont colorés en jaune. Les plaques d'arrimage, on les voit. Ici, là, 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 et encore, voilà, il y en a 6 en tout. Deux sur chaque partie de l'anneau. On voit ensuite. Ah, c'est pas facile. Voilà, ici, là. C'est coloré en rouge. On voit bien les modules d'armement qui sont très bien détaillés. Les fenêtres qui sont placées correctement, qui sont alignées. Les détails de coque, on les voit très très bien. Là, pareil. En dessous, on voit les fenêtres, elles sont également alignées sur leurs emplacements. On voit énormément. Ici donc le générateur, bon il est un peu de travers mais c'est pas si grave que ça. Avec ici très bien, avec un travail très. Un très bon travail au niveau du générateur fusion. Dommage que ce soit pas des pièces en plastique. Et ici donc on voit. Voilà. On voit la promenade, c'est un peu décalé mais les fenêtres sont pleines. Faudrait que c'est pas facile. Déflecteurs sont corrects. Enfin, je les trouve par rapport à la maquette originale un peu légèrement un peu gros. Mais bon. Et voilà. Et donc, il n'y a pas de support qui était fourni avec cette maquette. Eh bien, très sincèrement, je veux dire que c'est un très bon travail pour une maquette comme ça. Ah, une maquette qui en vaut le coup. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire. Et donc je vous dis à la prochaine et salut tout le monde!